Léo est la capitale de la province de la Sicile. Ville chef-lieu donc, Léo est l'une des 7 communes qui compte la province. Érigée en commune urbaine à la faveur de la communalisation intégrale en 2004, Léo compte 19 villages, 10 secteurs et s'étale sur une superficie de 957 km². Zone de production agricole, la commune de Léo est peuplée de nounous et de bien d'autres formations sociales venues d'ailleurs. C'est une commune qui est limitée au nord par la commune rurale de Tau et au sud par le Ghana, à l'ouest par la commune rurale de Boura et à l'est par la commune rurale de Bia. Selon le recensement général de la population 2019, la commune de Léo est estimée à 85 560 personnes, dont 41 513 hommes et 44 047 femmes. Les groupes ethniques rencontrés sont les Nouni, les Sisala, les Wala, les Mossi, les Peul, les Goumaché, les Bissa, les Dagara, etc. 72% des ménages de la commune de Léo vivent de l'agriculture, tandis que l'élevage occupe 13% de la population. Le commerce et les secteurs de petits métiers mobilisent 15% des actifs de la cité. Une cité carrefour d'échanges commerciaux entre Burkinabés et Ghanéens, dont l'activité économique est soutenue par diverses infrastructures marchandes. On peut citer le marché central, le marché à bétail moderne, un comptoir d'achat de maïs, et une auberge communale appelée l'auberge Sicily, un jardin du maire, une autogare, un marché communément appelé Ganayar, un stade municipal, une salle de ciné, une maison des jeunes, une maison de la femme et 3 marchés secondaires qui se retrouvent notamment dans le village de Sicily, Sanga et Don. Au plan culturel, la commune connaît très peu de sites touristiques, il faut le reconnaître. Toutefois, elle abrite un lieu de culte traditionnel situé au secteur 3 et communément appelé Pakadenga, une mosquée rouge également située au secteur 3, un barrage au Caïman situé au secteur 1, une charbonnerie dans le village de Taga qui alimentait le train à Ouaga à l'époque coloniale. Autant de potentialités certes, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Léo est quasiment enclavé, faute de voies d'accès appropriées. Un déficit routier qui l'empêcherait d'exploiter tout son capital agricole et amorcer un véritable développement intégral. Il s'agit notamment de l'enclavement de la commune et avec un état très mauvais des routes et l'éloignement de Léo de Koudougou, qui est le chef-lieu de la région. Et Léo et Koudougou sont distants de 144 km. Et la voie, la route, est sans bitume également. Il faut ajouter à ces difficultés la sous-exploitation des infrastructures marchandes et économiques. Enfin, les difficultés d'écoulement des produits agricoles, puisque qui parle d'écoulement des produits agricoles parle du développement des routes. Le développement d'un réseau routier est ainsi l'un des principaux défis auxquels la commune de Léo dit vouloir faire face. Toute chose qui permettrait aux populations de Léo ou la cité de Lignam de profiter et de vivre pleinement de leur labeur.